Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cacofruit et bienvenue pour un nouvel épisode de Dragon Survival. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait fait? Bah c'était très simple, on avait commencé à faire notre petit camp de base pour cette nouvelle dimension que nous avions pas mal commencé à explorer. Nous avions défoncé un tombeau d'araignées et de squelettes avec des spawners, il n'y avait plus de respect. On avait commencé à se poser sous ce moulin, dans lequel il y avait des coffres que je n'avais pas découvert. Et je suis d'abord intrigué, complètement intrigué, parce qu'il doit se trouver en son sommet. Je suis sûr qu'il y a un coffre, hein. C'est carrément obligé, donc du coup on va aller le checker, j'avais eu la flemme de le faire dans l'épisode précédent. Et ben, il se trouve que c'est le bon moment, je suis déter. Alors, je vous avais dit en off la dernière fois pendant la construction de la maison que je manquais de ressources. Alors souvenez-vous, nous avions trouvé dans la gueule de ce dragon un coffre qui nous donnait quand même pas mal de bois. Donc des stacks de planches de bouleau, de planches d'acacia, de planches de chêne, un peu tout ce qu'on voulait. Et du coup ben, j'en manquais. J'en avais pris que 2-3 stacks et j'avais dit ouais bon bah vas-y je remonterai en off à aller en chercher. Donc je suis allé en chercher plutôt pas mal, j'ai fait de la place dans mon inventaire, j'ai un peu tout rangé voyez-vous. J'ai tout regroupé, enfin plus ou moins c'est rangé vite fait. Ces trucs là je les ferai en off, hein. La dernière fois j'avais annoncé, voilà vous voyez j'en ai pris plein. J'avais annoncé que je ferai les rangements pendant le record mais c'est pas sûr, rien n'est sûr. Alors je propose qu'on monte, tout en haut. Et qu'on voit tout simplement ce qu'on va y trouver. Alors on va pas faire les imbéciles, on va quand même prendre une hache, devoir en avoir une. Histoire de pouvoir repéter le bois. Pas laisser en plan comme ça. Ok, superbe. On va monter à l'aide de ce bois, hein. Tant pis. En tout cas, j'espère que pour vous ça se passe très bien, que tout va très très bien. Moi c'est cool, voilà, je tourne. Alors est-ce que la nuit tombe? Voilà, je suis coupé dans mon élan. Mais j'aimerais quand même bien voir ce que ça fait la nuit. Je suis intrigué. Allons-y, checkons ça. Dragon Survival, l'épisode X, hein. Je me souviens pas. Et non, vous ne verrez pas de Steve à poil, ni moi tout nu en train de twerker. Épisode X. C'est pour désigner que je ne sais pas le numéro de l'épisode. Ça doit être le 24e ou le 25e. On attend, la nuit tombe, c'est très très joli. Ouais. Voilà, vous pouvez screed. Voilà, attendez, voilà. pas du tout. Oh, c'est sympathique. C'est très joli. Voilà, on aura apprécié une belle vue. Donc, hein, je le rappelle, dans cet épisode, on va principalement, je pense, privilégier l'installation à l'exploration. Hein. On va privilégier l'installation de cette petite cabane. Hop, allez, dodo. Parce que c'est quand même important d'avoir un lieu où se poser, un lieu où stocker nos ressources, etc. C'est quand même vachement primaire. Allons-y, grimpons, on va grimper par là. Bon, bah c'est parti. Hein. En avis, un petit stack nous suffira amplement pour monter. On check. Ça me rappelle un petit peu la construction qu'on avait fait avec Creeper. Dans notre toute première série Minecraft qu'on a... Enfin, notre toute première. La toute première grosse série Minecraft qu'on avait faite. Qui s'appelait Strandheim. Donc c'était un remix de Skyrim. Un remix, non mais je veux dire une version un petit peu minecraftienne de Skyrim, ça s'en rapprochait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Non, rien de spécial. Et on avait fait une maison comme ça en forme d'épée. D'épée minecraftienne, c'est quand même vachement sympa, on avait géré, on était chaud. Ouais, attention. Hein. Un stack suffit amplement, nous l'avons vu. Oh merde alors, j'aurais été pourtant sûr qu'il y aurait eu quelque chose ici. On va manger. Bon, il reste encore un petit peu à monter. Allons-y. C'est haut, hein. Et là, il y avait un spawner de squelettes en son sommet. Le builder avait anticipé la réaction des joueurs, tous aussi niais les uns que les autres, qui auraient eu la bonne idée d'escalader ce moulin. Il y a un truc en haut. C'est sûr. Ah, il n'y a rien du tout. Oh là 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 là. Tant pis. Voilà, c'était ça. Voilà, superbe. On n'a plus qu'à faire une descente sereine. Tranquillement. Eh ben au moins, on sera allé voir. On en est sûr maintenant. Il n'y a plus de pression. Point point. Point point. Point point. Point point. Point point.
Une seconde. Ouais, c'est bon, tout se passe bien. La chute serait mortelle encore à cette hauteur. On va attendre de voir ce que ça donne. Ok, donc on va pouvoir s'attaquer beaucoup plus sérieusement à la construction, pardon, cette petite cabane. Ma foi, qui sera fort sympathique. Vous allez voir. Ça va être très rapide, hein. N'ayez crainte. Moi, là. C'est chose faite. Allons-y, on va faire les murs ici. Donc. Pardon. Quoi? Planche d'acacia, planche d'acacia. Ah oui, c'est pas le même du coup. Ok. C'est vrai que l'on est en, avec du limité. Alors allons-y. On va faire comme ça. Et je reçois des messages pendant le record. C'est badass. On va pas faire fenêtre ici. On essaiera de trouver un. Du sable pour pouvoir faire des fenêtres. Mais vraiment. Tac. Ici, on a besoin de celui-ci. It's a motherfucker, G. Bah écoutez, je pense que ça devrait être bon comme ça. Est-ce qu'on prend... Ouais, on va prolonger par là, tant qu'à faire. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. À la base, je ne voulais pas. Hein. Je voulais que ça reste bien délimité. Bon, tant pis. Faisons-le. On ne perd rien. Comme ça, on pourra faire un truc un minimum stylé. Tac, voilà. C'est ça en fait. C'est comme ça. D'accord. Tout simplement. Alors, est-ce que j'ai de la pierre sur moi? Non, je l'ai laissé. J'ai laissé au rez-de-chaussée. On va s'en munir. Hop. Plop. La pierre est ici. Tac. Donc j'avais dit que je ferais des échelles et non pas un escalier, je suis en train de me poser la question là, intérieurement, voilà. On fera effectivement des échelles. Voilà, j'aime bien quand c'est un minimum bien fait, hein, je vous l'avais dit. Quand c'est vraiment pas beau, bah, c'est pas beau et moi j'aime pas trop ça. Enfin, surtout quand c'est moi qui le fais finalement. Parce que j'ai tendance à toujours faire un truc un peu pas beau. Du coup, bah, j'essaie de combler ce défaut au maximum. Ah, superbe. Très bien joué, Keko Fruit. Le meilleur EU. Voilà. Maintenant je pense qu'on va pouvoir faire le toit. Alors faire le toit ça va être assez simple. On va procéder de la façon suivante. Nous allons faire des escaliers à l'aide des stacks de bois que j'ai récupéré. Alors l'escalier de quelle couleur? Telle est la question, on va en prendre masse. Alors voyons voir. Vu d'extérieur la maison devrait avoir la tête du bois d'acacia. D'acajou. De boulot, pardon. Donc, peut-être privilégier un toit d'une couleur différente. Putain, c'est quand même vachement moche. Hein. C'est beaucoup plus appréciable dans ce sens-là. Voilà, je pense que si j'arrive un peu à rendre moins abrupt les coins, en foutant des torches, par exemple. Putain. Insupportable. Voilà. Épisode maison, hein. Alors là on pourra pas ce coin là, étant donné que voilà, celui-là non plus. Ouais bah là non plus, voilà, tranquillement. En tout cas ici on a une. Ça donne une bonne idée un petit peu de la hauteur que fait la maison. C'est pas trop mal. Allons-y. Une fois ceci fait, donc j'ai dit les escaliers. Est-ce que j'ai posé une table de craft? Ici, parfait. Un établi, donc j'avais dit que je le ferais de cette couleur là. Alors vraiment falloir masse, est-ce que j'en aurais suffisamment? Oui probablement. On va checker ça. Ouais parfait. On va déjà poser les 32 pour éviter de gaspiller du bois en faisant des escaliers inutiles. Allons-y. Alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fermé d'ailleurs cette partie. Bon c'est pas très important.
On va monter, on va monter. Mince. Ok. Allons-y. Les escaliers. Paf, 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 paf. Hein, je vous dis que je m'embêterai pas dans cette maison, mais... Mec, ça sera quand même swagasse. Ah, j'hésite encore. Ça, je peux pas faire de... Je peux pas faire certaines choses. Je vais donc faire... comment je peux faire ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok, alors vous allez comprendre hein, très vite. C'est super chaud à faire. Hein. Cette petite technique pour poser l'escalier est un peu difficile. Mais quand on y arrive, ça donne un truc pas moche du tout à la fin. Donc j'aurais dû tout faire d'un coup. En termes d'escalier. Et non pas... Oh! Et non pas les économiser. Oh là voilà! C'est pas possible ça. C'est pour ça que c'est chaud. C'est quand il ne s'oppose pas comme on souhaite. Donc là, comme ça. Alors c'est là que c'est un peu plus chaud. Là, du coup, ceux-là vont être easy à poser. Par le bois, bien entendu. Tac, tac, tac. Ok, c'est vrai que c'est chaud. Voilà. Nice. Et ben voilà. Tac, on verra bien retirer les bouts de bois qui donnent pas très bien. Donc voilà, j'en laisse un comme ça, histoire que ce soit bien délimité. Hop, voilà, comme ça, ça vous donne aussi des petites astuces de construction de maison, voilà. Merde, pas cette astuce-là, en tout cas. Ah, je suis descendu, c'est pas pratique du tout. C'est pas très important. Eh oui, je ne peux plus le poser. Voilà, quitte à descendre, fallait de toute façon qu'on craft à nouveau des escaliers. Bon, on a quand même pas mal de bois. Alors, ça, je pense que rien que ça, sera déjà largement suffisant, peut-être. Pouf. Pour la suite. Pour finir même le toit avec 39 escaliers, ça devrait le faire. On devrait être large. Ouais, quand je dis péter bout de bois, c'est péter cela. Et oui, bah, ça fait partie de l'aventure. Hein. C'est la partie de l'aventure, la construction de la maison. Et le soleil se couche déjà. J'en ai bien peur. Et j'ose pas travailler nuit. Hein. Des fois qu'il y a un creeper qui apparaisse, non seulement il exploserait ma maison. Hein, donc ça serait déjà assez relou. Mais en plus, il risquera de me tuer. Oh, putain, c'est chiant. Ok, pas pratique non plus, ça. Ah, maintenant. Get out of the way, point, point, point. Là, par contre... L'angle est un peu différent. Voilà. On arrive au bout normalement. Pose-toi. Ah le relou. Ah quand même. Son père. Non. Voilà, on va dire que c'est bon. que voici, que voici, que voici. Ensuite. C'est assez un peu chaud encore. Voilà. Voilà. Bon, un escalier perdu. Tant pis. Ah ben voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin de continuer ici. Peut-être combler ces trous du turfu.
Là-bas, faut que je le fasse aussi là-bas. Bon, allons-y. Tac, et tac, et tac. Histoire qu'il n'y ait pas de courant d'air. Voilà, ça passe. Ça passe largement. Voilà, voilà, voilà. On est bon pour les deux premières bases. En fait, j'aurais pas eu tout assez de trucs. J'avais oublié qu'il faut continuer en mode plus haut. Du coup, là, faut que je descende. Hop, là, je dois les poser ici. La chute risque d'être un peu rude, là. Hop, celui-là, ici. Voilà. C'est bien ça? J'ai pas l'impression. C'est pas très important. Oh non! C'est tellement chiant quand ça fait ça. Allons-y, on peut ça là. Ça ne gênera en aucun cas la construction. Ouf. Ouh, ça fait mal ça. Cette chute m'a fait mal. Ok, bon. C'est mort, faut que je rentre. Écoutez, au travail de nuit, hein, tant pis. Pour l'instant, on n'est pas dérangé par de quelconques individus nuisibles. Donc, tout se passe bien. Puff, puff, puff. J'arriverai jamais l'autre partie, hein. Ça va être très tendu. Du coup, ce que je voulais faire aussi, ouais, c'était ça. Je voulais réussir tout le temps à poser un bloc là et un bloc là, voilà. Ça fait pas moche en plus. Ah, j'aurais peut-être dû en profiter pour refaire des escaliers. 20, ça risque d'être tant d'axes. Tant pis. Tac, voilà, à partir de là, ça va se poser très très vite, hein, vous voyez. L'important, le plus dur, je dirais, c'est de poser les premiers. Vous l'avez vu. Mais une fois que ça s'est fait entre nous. Hein. En plus, ça va donner un effet de grandeur, le fait de ne pas fermer, de ne pas séparer, de ne pas faire de grenier en fait. Hein, de faire le premier étage et le grenier de une seule et même, un seul et même étage. Ça va nous donner un effet de grandeur. Beaucoup plus grand, vous allez voir. Ça fera un peu plus palace, alors que la maison n'est pas forcément très 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 grande. Ça va être carrément mieux. Comme ceci. Nice. Bah écoutez, j'ai un peu la flemme de redescendre, je vous le cache pas. Du coup. En délinquant. Hop, hop. Parfait. Hop, pardon. Voilà. Nous en fait pas mal. Continuons. Bon, bien sûr, le risque avec ce type d'escalier, c'est que ça spawn dessus. Parce qu'il nous est impossible de poser des torches. Donc du coup. Hop, alors continuons, continuons, continuons. On pose. Voilà, regarde, on arrive au bout, c'est très très bien. Souvent c'est aussi un petit peu difficile à fermer ces escaliers. Mais là on s'en sort plutôt bien. Pour un truc en angle comme ça. Tac. 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 Voilà, on est large. Pouf. Et ici. Pour pas. Bon, si on s'en bat les steaks. Allez, voilà. Tant pis. Posons quelques torches. Vous voyez, on va pouvoir carrément s'aider de tout cela. Voilà, on peut les poser un peu partout. On a quand même du décor autour, ce qui nous permet d'éclairer la zone. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Écoutez, c'est chose faite. Il nous reste juste à faire là-bas, le côté là-bas qui est un peu relou. Qui me met dans la malitude. Allons-y. Je suis en train de faire des échafaudages, il n'y a plus de respect, quoi. Alors cet épisode n'est peut-être pas passionnant du tout pour certains d'entre vous, mais bon. C'est ça. Il faut y passer, quoi. Il faut y passer, c'est... Voilà, il manquait plus qu'un truc à mettre. Putain, je réfléchis pour rien. Hop. Hop. Et hop, et voilà. On fout des torches, comme d'habitude, un peu partout. Voilà, il nous restera à trouver des...
quelques bouts de sable afin d'améliorer tout cela. Et voilà, on aura quelque chose de carrément mieux. Attendez, s'en bas ici, hein. Dites donc. Voilà, bon, faudra que je rende le truc un peu plus possible en mettant des piliers à certains endroits. Mais pour l'instant, c'était pas, n'est pas le principal truc. Principal danger. On va crafter 2-3 portes. 2 portes, enfin 2-3, non. Faisons-en plusieurs. Oh, attention, attention. On a déjà 3 là, rien qu'avec ça. C'est vrai qu'il y a une nouvelle porte en bois, putain, j'ai confondu. Bon, bah allons-y. Porte en bois d'acacia. Bon, allons-y, 3 portes. Quelle était ta celle-là? Ouais, elles sont cool. Oula, je rame. Voyons voir. Ah ouais, bon, ça fait un peu porte de prison. Hein. Bon, tant pis, ça fait un effet vacances. Ça fait l'effet vacances. Du coup, on va aller faire ça là-bas. Peut-être même faire une entrée à l'étage, comme ça. Une petite entrée balcon. Moi, j'aimerais bien une petite entrée balcon ici. Hop, torche. Heal. Vous voyez, je vous dis que ça allait faire un effet de grandeur. C'est pas trop mal, hein. Bon, ça fait un peu flipper. Du coup, ça, ça serait bien... pour à péter. Tac. Voilà. Comme ça ici on pourra faire non seulement une salle de bain, mais en plus on pourra faire une chambre, une chambrine. Et ici un petit balcon. Ouais. Trop bien, mec. On va le faire quoi? L'entrée, on va la faire où? Là, j'ai fait non, qu'est-ce que c'était que ça? C'est pas une fenêtre évidemment. Comme ça. Allez, le balcon, on va faire une entrée double porte. On fera une entrée double porte. Hein. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Louers. Alors écoutez, on va finaliser tout cela. Très rapide, hein, très rapidement. Tac. Et puis, on va se charger de. Ah là, c'est vrai qu'ici, je vais foutre un bloc. Si ma mémoire est bonne. Ici, non? Non, c'est pas ça. Merde. Ouais, il est derrière, il se pose derrière. Hop, my bad. Hop, my bad. Ouais, c'est un peu différent ici. Là, faut que je pète ça. Tac. Bon, on le récupérera au fur et à mesure. On va poser une première porte. Puf, puf, puf. Puis voilà, voilà. Écoutez, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon, on va faire le trou pour pouvoir y grimper. On va y grimper par là, tiens. Ça paraît pas trop mal par ici. Ou par là. Voilà, par là, c'est très très bien. Allons-y, allons-y, allons-y. Il devrait y avoir des... voilà. On va en faire quelques-unes. Tac. Tac, 6 suffiront. Hop, hop. Oh putain, le boulet. Le boulet. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Voilà, on va même le monter jusque là. Parce que ça fait plus swag. Tchac, on refait quelques portes. Laissez-moi descendre. Voilà. Du coup, ça va m'en crafter 3. C'est carrément cool, hein. C'est carrément useful, hein. Avant ça nous faisait toujours qu'une porte, et c'est toujours la même, là du coup ça nous fait plusieurs portes de plusieurs types. Voilà, on va maintenant crafter à l'aide de la pierre un petit balcon. Parce que j'imagine que je ne peux plus tout crafter de ça, hein. C'est plus possible non plus. Ouais, vous voyez, c'est un bug dont je ne peux pas venir à bout. Heureusement je peux continuer à en faire comme ça. De toute façon ça va en falloir plusieurs, parce que j'ai dit que j'allais faire un enclos pour les poules. Quoi que je le ferai pas que en ça, parce que sinon je pourrais pas faire de portail pour y rentrer. Ah, c'est chiant. Tac. C'est de faire un truc plutôt grand aussi, hein. Voilà. Ah oui, je m'encarne ce que je mets par terre. C'est juste histoire de. Et le balcon par lequel on pourra rentrer. Voilà. On n'a qu'à dire ça. Non, non, non. C'est pas sécuritaire, voyons. Mon cher Kekofruit.
L'homme schizophrène, voilà, et eh ben écoutez, je pense que là, on est plutôt pas trop mal. Nous reste à, un peu à organiser tout ça, trouver un peu de quoi faire les fenêtres, donc du sable, de quelques matériaux. Organiser les coffres, ça on le fera plus tard, foutre des torches un peu partout, voilà, histoire que ça fasse pas trop sombre. Un peu s'organiser au niveau de la répartition des pièces, ça j'ai peut-être déjà dit, j'ai même sûrement déjà dit. Donc faire un truc très rapide, hein. Voilà, histoire ici de faire un mini salon, ici de faire rien, un petit corridor, on foutra des coffres. Ici de faire la chambre. Et puis voilà. Hein. Puis voilà, je vais donc foutre mon lit ici. Ce sera pas un lit de place. Hein. Pas pour l'instant en tout cas. Eh bien écoutez, je vous fais à tous et à toutes, voilà, de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as appris des choses. Non pas du tout, mais vous voyez, on a quand même réussi à faire un truc plutôt sympathique. Sur le point de vue de loin, on va avoir une maison pas trop dégueulasse. Vous voyez, une maison qui est incrustée dans le moulin. Donc c'est un projet qui est plutôt facile de réalisation finalement, hein. Vous voyez, ça va pas demander vraiment énormément de travail, hein. C'est vraiment un petit peu plus de patience. Mais vous voyez, on arrive quand même à faire un projet sympathique. Un truc qui donne pas trop moche en plus au final. Ça donne même plutôt vraiment bien. Peu importe le plan sur lequel on se pose, c'est pas trop mal, on a vraiment quelque chose de sympathique, d'agréable. Ça change complètement de la première dimension et ça fait du bien. Le changement c'est bien, il faut en profiter. Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec la construction de cette petite maison. Et bien s'il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit. Tout dépend l'heure où laquelle vous regardez cette petite vidéo. Quant à moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, jeune internaute. Jeune internaute, ça c'est pété. Et comme ça tu pourras être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Futur, voilà, parce que prochaine c'est peut-être que futur. Allez, gros bisous à tous, c'était Kekofruit en direct de Dragon Survival. Gros bisous, bye.